l'euro gelé. Ah, Aéropostal. Oui, Aéropostal, Frédéric, bonjour. Oui, parce qu'on va revenir sur l'histoire d'un pionnier, et quel pionnier de l'aviation française, est disparu le 27 novembre 1940. Nous sommes le 27 novembre aujourd'hui. Il s'agit d'Henri Guillaumet. Alors, on n'en parle pas beaucoup. Non. C'est vrai qu'il a toujours passé derrière Mermoz, ce grand héros. Mais il a été, Guillaumet, l'un des fondateurs de l'aviation moderne, finalement. Oui, 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 absolument. Alors, il a été passionné par l'aviation. Il est né en 1906. Mmh. Et puis, un jour, il est né dans la Marne. Ça joue beaucoup, la Marne, parce que... Oui. Du côté de Reims, il y a eu beaucoup, beaucoup de vols dès les premiers débuts de l'aviation. Donc beaucoup d'hommes ont vu... Ils ont été concentrés voler. Sur l'Est, bah la oui, France. Exactement. Oui, oui. Et alors, ils voient voler Farman, c'est le célèbre Henri Farman. Ses ateliers ici. Et là, oui, absolument. Et là, du coup, coup de cœur. Il va passer son brevet très vite, son brevet de pilote en 1921. Et puis, il rencontre Mermoz par l'armée, parce qu'il est rentré dans l'armée de l'air. Et Mermoz, ils deviennent copains très vite, Henri Guillaumet. Jean Mermoz, déjà, rien que ça, un beau doublé. Donc, quand Mermoz quitte l'armée, il rentre dans l'entreprise de l'ATCOR. On les voit d'ailleurs. On le voit avec Syntex. Parce que c'est après qu'il rencontre Syntex. Ils vont tous. Légendaire également. Ah ouais. Alors, c'est trois géants, évidemment. Mermoz, Syntex, Guillaumet. Vous avez remarqué quand et on cite. L'ATCOR, vous avez et raison. L'ATCOR, et on cite toujours Guillaumet en dernier. Toujours dernier. Et pourtant, comme c'est Dora un de ses. Ben, il y a Didier Dora. C'est lui qui va les former. C'est lui qui les oblige à passer par l'atelier. C'est-à-dire à foutre les mains dans le cambouis, pardon, je parle vulgairement, mais les mains dans le cambouis avant d'aller voler. Ouais. Oui, oui, vous passerez d'abord par la mécanique, parce que si vous avez à vous poser accidentellement, vous saurez mettre le nez dans le moteur pour savoir ce qu'il faut faire. Mmh. Et ça, c'est arrivé à tous. Combien de fois Syntex a dû se poser, combien de fois Mermoz. Et puis, je vous propose des images et de voir Henri Guillaumet. Oui, c'est lui, le héros, ce matin. Les autres sont ses collatéraux, si je puis dire, et il a besoin d'eux. Ils ont besoin d'eux. Ils ont besoin les uns des autres. C'est une équipe. Hein. Ben oui, alors le fait d'être pilote, ils sont seuls dans l'avion, c'est vrai. Mais ils se maintiennent, ils se soutiennent les uns les autres. Pourquoi ? Pour l'aéropostale, on le voit, regardez ce sac qui est glissé là à l'arrière de l'avion sur ce biplan. Un sac qui contient ses lettres. Lui, l'un des héros de l'aéropostale, l'un de ces merveilleux facteurs du ciel qui va permettre à ses lettres d'amour de franchir les villes, les fleuves, les campagnes, les déserts, les mers, les océans. Trois continents pour arriver à destination. Pourquoi ? Bah parce que l'aéropostale est partie de Toulouse, puis a commencé par rejoindre Casa, enfin le Maroc, l'Algérie, Dakar. Enfin l'Algérie, le Maroc, puis Dakar avec enfin, le Sénégal. Oui, oui. Et, alors, et après, il a fallu traverser l'Atlantique Sud et aller jusqu'en Amérique. Et c'est là où l'Amérique, ce sont évidemment ses épaulettes qu'il va gagner, là, Henri Guillaumet, parce que... Il va franchir à 396 reprises les Andes, la cordillère des Andes. Il est seul à pouvoir le faire. Et quelquefois, il n'a aucune visibilité, il fait froid, il y a un vent terrible, il est déplacé. Et un jour de 1930, il est obligé de se poser à 3000 mètres d'altitude. Il est là, avec ses chaussures de ville. Il se dit, si je reste dans l'avion, je meurs. Si je marche, peut-être que je pourrais être sauvé. Alors il écrit sur le cockpit, il écrit sur la carlingue de son avion, il écrit ses derniers mots, une pensée pour son épouse. Et il marque « Je pars vers l'Est ». Et il va marcher 4 jours, 4 nuits, avant de rouler comme ça jusqu'au pied d'un certain Juan García, un jeune garçon de 14 ans, qui va le récupérer, l'emmener chez sa maman. Et c'est Syntex qui va venir le retrouver, parce que Syntex, pendant ces 4 jours et ces 4 nuits, n'a pas cessé de voler, survoler, revoler, pour retrouver son pote de toujours. Et finalement, c'est lui qui vient le chercher, comme le fera Guillaumet quelques années plus tard. Lorsque Mermoz disparaîtra dans l'Atlantique Sud, que fera Guillaumet ? Il volera, survolera l'endroit où, paraît-il, il aurait disparu à bord de son hydravion, comme on le voit là. Parce que ces hommes sont les hommes de l'impossible. Ils ont créé l'aviation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils ont créé l'aéropostale, oui, la poste aérienne, mais aussi ce transport qui permet de franchir les distances. Donc n'oublions jamais Jean Mermoz, certes, Antoine de Saint-Exupéry, certes, qui raconte l'histoire de Guillaumet dans Terre des Hommes. Oui. Lisez, relisez-le, c'est tout à fait urgent. Et Henri Guillaumet, ben ces trois hommes qui se sont rencontrés dans les années 20 n'ont jamais connu la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'un est parti en 36, l'autre en 40, celui Guillaumet et 44 pour Syntex. Ils ont tous disparu en mer. C'est étrange pour des aviateurs. Peut-être qu'ils sont à l'origine des poissons volants. Peut-être, on ne sait pas. C'est très joliment dit. C'était l'aéropotable aussi. Ouais. C'était l'aéropostale et celle des potes. Très bien. Ça. Et pourquoi ils allaient en Afrique ? Parce que c'était plus court chemin pour aller avec des vents favorables du côté, effectivement, de l'Amérique du Sud. Merci beaucoup, Frédéric.